On vient d'apprendre à l'instant de la part de la procureure de la République, Marie-Thérèse de Givry, qu'au moins deux des accusations alléguées par Francis Delattre et concernant Alissou Maré sont fausses, sont erronées. Il y a un problème de date de naissance prendre sur les jugements. Et notamment l'accusation la plus grave qui datait de 2007 pour vol aggravé à violence et usage de cartes de paiement contrefaites. Quelle est votre réaction et comptez-vous prendre des sanctions à l'encontre de Francis Delattre qui devrait certainement se condamner pour diffamation dans cette affaire? Alors, sur cette question, j'ai dit très clairement que si les accusations et les condamnations qui étaient alléguées par Francis Delattre étaient fausses, je les condamnerais. Donc, j'attends d'avoir la vérification de tout ce que vous êtes en train de me dire. Si les condamnations qui ont été alléguées contre Alissou Maré sont fausses, je condamnerai la démarche de Francis Delattre et je lui dirai, je rappelle que Francis Delattre est maire de Franconville, qui ne fait pas partie de l'équipe UMP au régional. Il était soutenu par Axel Poniatowski, qui était tête de liste dans le Val d'Oise, UMP. Eh bien, je condamnerai la démarche. Si les allégations sont fausses, je les condamnerai. Voilà, Marie-Thérèse de Givry, la procureure de Pontoise, a parlé en direct sur France Info.